Quand t'es prêt, Sensei. Si. Bien. Parce que c'est. OK. Cette semaine, on a dit qu'on ferait des entrées sur différentes techniques, sur différentes attaques. This week, we're going to do different entrances on different attacks. Puis, mais sans faire des mouvements nécessairement, non, mais juste montrer une entrée. Puis, à partir de là, ben, vous pouvez varier vos techniques. So, from any entrance, then you can do a variety of movements. Puis ensuite, on va. J'ai eu une demande pour expliquer quelques mouvements là, des otoshi là, que Kanai Sensei faisait. So, somebody asked for some to see some otoshi. And ça, on peut les voir tranquillement sur différentes attaques aussi. Donc, ça peut peut-être aider des gens dans la variété des mouvements. So, it might help you if you take a Q test or Shodan, first Q or Dan test. So, it might help you. On a fait, la semaine dernière, on a fait sur Shomenuchi. Aujourd'hui, on va faire sur Yokomenuchi. Hein? Donc, les entrées les plus connues d'ici. Et puis, entrée, vous pouvez aussi entrer là ou technique. Vous pourriez aussi entrer en baissant ou entrer directement aussi pour vous toucher. Si on les revoit tranquillement, la première entrée, ce qui est important, the first one, vous faites le contact avec le muscle de l'avant-bras. So you hit, you make contact with the muscle of your forearm. Allez-y pas os à os. Don't go bone to bone like this. It's painful. Et vous allez près de son coude. Okay? Ici, là, il y a une petite place où ça fait mal. Right there, there's a spot where it's painful. Et quand vous entrez, vous allez au coude et vous glissez tout de suite ici. Ma main ici devrait être capable de rejoindre. This hand should be able to reach in. Puis le genou aussi. Fait que vous êtes bien placé pour faire vos techniques juste là. Fait que baissez bien votre centre. Lower your center. Allez, puis au contact. Sorry, c'est vrai ça. Quand vous arrivez au contact ici, vous ouvrez pas et vous allez jusqu'au poignet. Okay? So as soon as you make contact, you open and you go for the wrist. Okay? Deuxième, second one, montez ici. Hit harder. Vous bloquez hein, juste le bras, lève ici. Okay? Essayez pas d'aller là. Don't go sideways, just go straight up ici. En même temps, same time, vous avancez vers lui. Okay? Parce que je ne veux pas simplement reculer ici. Lui, s'il frappe ma tête et puis il hit my head, et puis moi je recule, mais là je me retrouve trop loin. Then I'm too far away from him. Okay? Donc d'ici, contact, puis là, en reculant, j'ai la distance appropriée pour faire la technique. Okay? So then you get a proper stance. Mais pour ça, vous avancez les pieds, you move your feet together. Puis vous reculez. Donc, vous vous retrouvez au même endroit. Finally, you're at the same spot. You just one step forward, one step back. OK? The other side. Donc, ici, reculez. OK? Troisième entrée qu'on a fait. D'ici, vous attaquez la personne en même temps. You attack him at the same time. Si vous allez simplement... The other side. Si vous allez simplement pour le bras ici, lui il a son autre bras. He has this arm. So you must keep this one busy. You can hit his face or push the shoulder, mais il faut vraiment l'occuper. Fait que vous entrez ici. Right? Puis vous pouvez continuer encore là. Mais vous avez toutes les ouvertures, les shionage, katagaishi ou les kiminage ou kiyotoshi. Ça, c'est différent. La quatrième entrée ici, vous allez comme atémi au foie ou au plexus si vous êtes de l'autre côté. Vous entrez direct, il faut être vraiment près de lui. You need to be very close to him. Si je suis là, ici, c'est difficile à faire. Fait qu'il faut vraiment entrer tout droit. You really need to go
deep like this, right? So the feeling is you go for his face like that, but you just pivot, then you can go and do something else, okay? You know, entrer d'ici ou vous laissez passer le bras. Moi, c'est pas ma préférée, not my favorite, mais ça se fait aussi. Okay? Donc, celle-là, vous avez contact, tournez les hanches, face the same direction than your partner, then come back, juste comme derrière, pour vous entrer, hop, ouvrez. Okay? Puis l'autre, il y a comment, vous entrez ici comme ça pour les, comme les koshinage ou kashigoshi. Fait que la sensation ici, c'est hop, entrer directement. This, we did this one like this, but this one, it's like with the other elbow. So you go straight in, hip to belly, like this. Don't go like this, tournez pas comme ça. C'est vraiment la sensation, c'est hop, vous entrez dedans. Okay? Fait que ça, ça fait comme 6 entrées environ. Sur Yokomen Uchi, vous pouvez varier à partir de là les mouvements par après. Then after that, you just add some motion, the one you want, and it should be helpful. Tsuki, Tsuki des entrées, ben, vous avez toujours Irimi Tenkan. You always, you know, like Irimi Tenkan. Okay? Sliding, tourner. Quand vous faites ça, essayez pas d'attraper son point. Don't try to grab his arm and, you know, faites-le pas juste ici comme ça. Puis au contact, là, lui, il peut retirer. He can pull it back. Hein? You can pull back comme ça. Donc, moi, je peux pas rester là longtemps. I cannot stay there long, you know, otherwise he will pull back. So, as he comes, comme il arrive, je dois le déséquilibrer tout de suite au contact, slowly. Quand j'arrive ici, mon idée, c'est plus d'aller épaule à épaule. My idea is to go like shoulder to shoulder, puis hop, tout de suite de l'amener comme ça pour empêcher le retour de son point. Okay? So you just go in and turn. Okay? Une autre entrée que vous pouvez utiliser, c'est juste ici, là, quand on entre. Un peu semblable à celle qu'on a fait sur le Yokomen. Vous allez garder contact, avancer, puis reculer. So you move kind of in and pivot. Hein? Fait que ça me fait aller chercher plus haut. Fait que la sensation, c'est toujours de this kind of feeling. Hein? De la salle, vous reculez, entrez. So you move in. This one cuts inside. Ce bras-là coupe comme ça à l'intérieur. Puis vous pouvez aller ici en prenant la main. Puis entrer. Vous pouvez aussi entrer et aller au coude. Comme ça. Hein? So this one, you enter into the elbow, close to him. Mais vous ne pouvez pas rester là longtemps. You cannot stay there long time. He has the other arm coming. Quand vous le faites, c'est ici, puis avancer. Si je veux avancer ici, je garde le contact coude à coude. You keep the contact elbow to elbow, et vous poussez la main en avant. Push his hand forward, et vous poussez comme en l'air là-bas. Kind of pushing up as you do. Okay. Ici, tournez. Bon, et encore là, vous ne pouvez pas restez là longtemps. You need to do that fast. When he comes, as he reaches the end of his punch, that's where you should go and be there for that one. Okay? On peut toujours avoir les entrées en dessous, comme ça, like this one. Like we could do on the Shomen Uchi, c'est semblable. Okay, vous pouvez venir ici, de côté, tourner pour aller chercher des techniques. Ça, c'est sûr. Skip. Ensuite, on a Katamenuchi. Katamenuchi, évitez de rester là. You don't stay there like this.
Okay? As he grabbed, you slide in. Et quand vous êtes là, ici, je suis capable de toucher. Là, je suis capable de lever sa jambe. Okay? Pardon? Pardon? J'entends pas? J'entends pas. Qui entend pas? J'ai pas compris. C'est quelqu'un qui est rentré dans le... Je l'ai coupé le son. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a par le chat. OK. So you can slide in like this. Hein? Ça, c'est une façon d'entrer ici. Puis ensuite, de bien garder le contact, vous pouvez amener des mouvements de, un peu circulaires. Vous pouvez aller chercher les, comme Chionagé ou n'importe quoi. Ici, bien entrer. Une autre façon, c'est de pousser comme ça, puis d'entrer dans le trou du deuxième bras. Donc, quand il arrive, je pousse sa main ici. Okay? You just push his hand, puis vous l'amenez dans l'autre main. You push it into your other hand. Donc, comme ça. Puis là, vous attaquez. Fait que lui bloque, et vous pouvez aller chercher comme des mouvements comme Jujinari, par exemple. Okay? Juste ici, slowly. Allez, fait, tranquillement, poussez, prenez, amenez. Évitez de, if you do this, don't push down. Hein? Vous poussez à même hauteur, same height. Et vous attaquez comme ça. Okay? Une autre façon, c'est le grab. Vous avancez, puis vous pouvez aller chercher les mouvements à l'intérieur. You can move towards the inside like this, puis aller chercher des mouvements comme les Ajikigoshi. Okay? Donc, si je le fais, j'avance, puis je vais couper avec le bras en haut. You cut with the top hand, puis vous gardez contact ici pour projeter. Okay? Pourrait aussi, if he comes like this, vous pouvez entrer simplement, puis bloc like this. Hein? Fait que vous pouvez entrer ici, au-dessus, amener. On avait. Et ça, c'est if you go like this, vous pouvez pousser, to hold it. Et là, je coupe. Je le pousse par là. So you got you jump. Hey, block. Pousser. Entrer comme ça. Quand j'attaque ici, if you hold tight, this one hold tight, tight, tight. Je peux pas juste attaquer son coude. Hold tight. I can go for the elbow like this. J'attaque son poignet. Quand j'attaque le poignet, no sound. Quand j'attaque le poignet, la main comme ça par-dessus, paume en l'air, puis là, je vais glisser mon corps. You will slide with your body like this. Right? Fait que vous allez juste de là attaquer le poignet, puis vous pouvez aller ensuite au visage. Okay? Kataminuchi. Morotetori. Hey, Morotetori, ben, il y a toujours l'entrée là, comme on peut faire pour les Kokyu. Hey, so you can move shoulder to shoulder like this. Hey, so you would go like Kokyunage. You could move in and get like Jujinage type of a motion. Hey, ben, d'ici, je peux attaquer cette main-là, je peux attaquer celle-là. You can attack this hand. Okay. Or the other hand. Okay. Je peux aussi, la main normalement, normally it comes from the side like this. Hein? Mais moi, je peux aller placer ma main au milieu. Okay. I can put my hand in the middle like this. Hein? Normally it's sideways, but if I'm he's coming, I can turn this way and just get him, hold it, then get the hand inside. Okay? Fait que là, ça vous fait des ouvertures aussi, comme ça, pour aller chercher et ramener des
et Rémi Nagy ou autre chose. On a fait ça, on a vraiment Riotetori, toujours l'entrée ici comme Tenshi Nagy. La paume en bas, l'autre en l'air, épaule à épaule, shoulder to shoulder. Allez, ici. Et vous pouvez entrer puis tourner comme ça pour ramener à des mouvements un peu plus grands. So you get a wider motion. Vous pouvez entrer ici puis aller. Et si je fais comme ça, if you go this way, si il tient là, la main est ici, le pouce est à l'extérieur, come outside, puis vous entrez le pouce dans la même direction ici. Montez bien les mains, bring your hands up. Si vous faites ça comme ça, ben, il va vous prendre. Okay? So you need to go up, then you can just stretch like this. But you really need to go up, then move in while it's up. Okay, you don't get in and drop. So you raise, then like this, you could go like Ajikiboshi, sideways, or Makiotoshi, like that. Vous pourriez aussi, you could go like this, Nikyo Tai, hop, juste descendre. Quand vous le faites, as you grab, thumbs outside, thumbs inside. Okay. Pensez, comme c'est un Nikyo, quand je fais Nikyo ici, mon tangent de main s'en vient le plus possible à 90 degrés. I use the edge of my hand as much as I can, like 90 degrees, like this. Puis là, vous pouvez entrer. Si vous faites ce mouvement-là et vous poussez trop en avant, if you go forward like this, you won't feel anything. Les pouces près de ses poignets, come close to his wrist, puis là, vous descendez. Allez? D'ici, là. Vous pouvez aller un mouvement ici, comme à Ikite Ajikigoshi, où vous poussez avec la hanche de côté. Cette fois-là, lui vient prendre mes poignets. He's coming for my wrist. As he comes for my wrist, I grab his fingers. Puis vous le gardez en avant. Bring him forward. Cette main-là pousse en diagonale. This hand goes on a diagonal, and the other one, you kind of pull it, right? Fait que, ici, il y en a une qui pousse en diagonale, l'autre la ramène. Like if you open a window, hein? Vous êtes comme ça, puis vous ouvrez une fenêtre dans ce sens-là, right? Donc, ici, puis là, vous poussez de côté, right? Fait que ça, c'est des idées d'entrée sur... Riotetori. On a Riokatatori. Riokatatori, souvent on est un peu pris avec ça. Là. Sometimes you know, you grab, that's it, shoulders, that's it. Hey? Fait que là, quand il s'en vient, vous avez toujours les entrées. Oh, grab that, that's it. Vous avez les entrées à l'intérieur comme ça. Ou tu peux avancer, c'est possible. But always, when you do it, try to make like a triangle, your hands and your elbows. Essayez pas d'ouvrir comme ça. Don't try to open this way. It won't work. You just go up. Puis là, ben, vous pouvez projeter en glissant. Vous pouvez projeter en tournant. Mais si je tourne ici, you grab the shoulder. Et ici, quand je tourne, je vais amener cette main-là vers moi, puis je vais pousser avec l'autre dans son coude. So, I will bring this hand, and then this time the left hand, towards me, like this, and I will push with the other one. Évitez d'aller mettre vos mains en dessous. Try not to bring your hands under. C'est vraiment difficile de bouger comme ça. It's very hard to move in this way. Keep your hands free, then you move. Là, vous pouvez tourner
ou simplement rester sur place. You could go and come. You could go and pull him even more and make him turn. Si vous voulez faire d'autres mouvements aussi, parce que là, on pense toujours à Cocu quand on a cette attaque-là. We always think about Cocu when we do this attack, mais vous pouvez reculer et venir saisir. À ce moment-là, vous le traitez un peu comme un Yokomenuchi. Hein? We feel like he's coming and you treat it like a Yokomenuchi. But this way, you need to grab him before he grabs you. Right? Vous avez besoin de en motion comme ça. Il y a toujours les entrées ici. Oh my shoulders! So you go, then hey, you get like Nikio type. Vous pouvez rentrer ici et aller chercher des Makiotoshi. Hein? You could go and this one down like this, et Makiotoshi en descendant. Hein? Vous pourriez aussi entrer là, garder la main en bas. This one down, so you don't get choked. And this one goes for his face like this. Right? Fait que ça, c'est des possibilités. Vous allez encore, if you grab, entrer proche pour aller chercher Koshinage. Vous pourriez aller chercher ici Kogoshi. Kogoshi, c'est avec la tête. Kogoshi is with the neck, so with the head, so you can go like this, then bring him over. Mais pour ça, vous avez besoin, hold tight, tight, hey, je peux pas juste, hold tight, je peux pas juste entrer comme ça. Faut vraiment aller comme si j'entre pour un uppercut. It's like if you go for an uppercut. Okay? Puis là, vous l'amenez ici, puis vous le soulevez. Fait que ça, c'est des entrées. C'est bon de varier. C'est même si c'est une attaque qui, souvent, là, on pense qu'on fait seulement des Kokyu Nage. Even with this attack, people, the first reflex often is to start doing Kokyu Nage over and over. Okay? Ensuite, ben, vous avez tous les katatetori, Gyaku Ami. Ben, ça, il y en a. Il y a beaucoup de. Tu sais, je peux entrer, épaule. Comme ça, vous pouvez aller de côté ici. Vous pouvez entrer pour aller chercher les Koshinage. Vous pouvez entrer ici et aller chercher pour les Makiotoshi. Celui-là, c'est un peu comme quand on a fait le double, like a double. Vous montez ici, mais là, vous le faites juste avec une main. Mais comme vous avancez là, pensez à son autre main. So you have to think about his other hand. So when you raise this one, if you open, move to his face, then you can turn and go for Makiotoshi like this. Right? Vous pourriez aussi aller chercher comme Sumiotoshi, juste d'ici, avancer au genou et tirer de côté. Donc, quand je le fais, when you do that one, okay, vous avancez, puis vous placez votre pied sur son pied. You bring your foot on his foot, then sideways, then you cut like this, but you need to be at 90 degrees. Okay? Vous avez besoin d'être à 90 degrés pour faire cette technique-là. I am knee, katatetori, t'as toujours l'entrée ici, type de l'initio. Okay, so that is a typical like Nikyo. You could open this way, okay, pour les entrées comme Urikirinage, Shionage, etc. Vous pouvez entrer aussi en dessous, comme ça. You can move under this way. Okay. Quand vous le faites ça, if you hold tight, vous avancez votre corps puis pliez votre coude. Là, je viens attaquer son pouce. You come and you attack his thumb when you turn like this. Vous l'attaquez avec votre avant-bras, puis you attack with your forearm. Là, essayez pas s'il est fort de le bouger. Il peut m'empêcher de tirer. He can stop me from pulling in, but he cannot stop me from coming in.
Fait qu'ici, moi, je peux avancer. Je m'en viens de côté, tourner, puis vous allez chercher des mouvements comme ça. Vous pouvez aller juste avancer aussi, comme ça. So, this one, it's the same like we did. You know, you couldn't absorb in, going back, like Chokusin Iriminage. Right? Pour ça, s'il tient solide, trop tight, je ne peux pas le tirer à bras. I cannot pull him with my muscle is too big now. C'est que ici, tourner, hold it, tourner, puis avec le tranchant, mais le talon de la main, with the heel of your hand, you push down like this. Right? So you just go and make sure, like, if it would be like Nikio, you would go your thumb close to the wrist. Vous en aimeriez le pouce près de son poignet. Là, c'est la même chose. Vous montez, puis reculez comme ça. Ensuite de ça, bien, on a des Ushiro. Hein? Ça fait que vous pouvez avoir Ushiro Tekubitori. Vous pouvez avoir Ushiro Ryo Katatori. Vous pouvez avoir Ushiro Katatetori Kubijime. Ça fait que ça, j'ai fait la même entrée sur chacun. Fait que les mouvements, je peux les faire aussi du attaque. Je peux aller de côté aussi. Hein? You could go sideways instead of coming back, going back, as he comes. Just from there. Okay? I could move sideways and go under. Je pourrais aussi avancer comme ça. You could move like this and just, you know, just move forward and go like the back of a cat. Move like that. Right? Ça, c'est des entrées ici. Et que ce soit Ushiro, Ryo, Katatori, vous pouvez faire la même chose ici avec la même sensation, with the same feeling that if he would grab both wrists. Si il prend les deux poignets, both wrists, et ici, je bouge comme ça. Grab the shoulders. Ici, même idée. Vous faites le même mouvement. You do the same motion. Okay. C'est la même chose. Quand je recule, c'est pareil aussi. When you move back, same thing. Shoulders, you go up. Et vous tournez. Touchez les deux poignets. Both wrists. Ici, ben vous pouvez reculer aussi. Donc ça, c'est des plus d'entrée là, sur les attaques arrière. Après ça, on les a pas mal toutes vues. Hein? Fait que, on va pouvoir enchaîner le mouvement que on va pas pratiquer, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pratique pendant ce cours-là. Et en fait, je sais que c'est plus une démonstration là, qu'un cours. Mais j'en profite pendant que j'ai un hooké. I know it's more a demonstration than a class, but I have a hooké, so I use it. Ukiyotoshi. Ukiyotoshi, le principe là-dedans, the principle for that, c'est que vous amenez votre partenaire est comme ça, puis vous allez l'amener là-bas. You're going to bring him like 45 degrees in towards the inside. Vers l'intérieur. Fait que sur n'importe quelle attaque, quand il est comme ça ici, moi, mon but, c'est de l'amener comme ça. Hein? Ça veut dire que lui, par exemple, if you come like slowly, Yokomimichi, ici, je peux avancer puis amener mon partenaire là. Jamais, never I try to push him this way. Parce que là, je ne suis plus capable, j'ai plus de contact, pas longtemps, mais more contact like this. Mais ici, j'utilise mes hanches et le poids de mon corps. So you use your body weight and your hip twisting this way. Fait que la hanche va tourner, puis le poids de mon corps va l'amener aussi. L'autre main, je peux penser à frapper, mais l'important, c'est de le garder éloigné. Parce que quand je l'amène vers moi, si je l'amène comme ça, il va tomber sur moi. If I bring him this way, he will fall on me. Okay? J'ai
à juste garder l'extension ici. Okay? Fait que moi, mon bras est là. Je vais utiliser mon poids vers l'arrière. Use your weight backward. Puis, utiliser le corps ici pour tourner. And use your upper part to bring him to, you know, you just turn. So when I, if I'm like this, when I turn my hip, my hand goes like that. Okay? My hand follow. He should fall in line with my back foot. Il devrait tomber aligné avec ma jambe, mon pied arrière. Et donc, quand je le fais, ici, contact. Si je veux, je peux aussi reculer comme ça et l'amener. Ça, c'est une possibilité. Ça dépend s'il y a beaucoup de momentum. If it's speedy, you don't need to step back. If the attack is very, like, you know, efficient, and he really hit hard there. So if he comes like that, I can just move this way. But if the attack is let's say he grabbed catapetori, if he has me and it's tight there, then maybe I need to step back like this and push him. So I'm at this point, à ce moment-là, je vais utiliser le hook cue, puis là, je vais reculer pour le faire avancer, puis là, je dépose mon pied, puis je ramène le pied comme ça. Okay? On peut le faire aussi, la jambe avant peut bouger comme ça. You can move this leg like this, but when you do that, it's not to break his balance. It's just, you know, you kind of, c'est comme pour compenser avec le bras, vous poussez là. It's like compensate this arm when you go like this. Right? Mais l'important, les jambes, la largeur des épaules, your feet are shoulder wide. Okay? Comme ça. Autrement, sur une ligne, c'est difficile. On one line, it's hard to keep the balance. Mon pied arrière doit être là. My back foot in line like this. Pas comme ça. If I do that and I use my weight backward, I will fall down because I have no support. Là, ici, je n'ai pas de support en arrière, donc je ne peux pas faire ce mouvement-là. Puis, les jambes à 90 degrés. Your knee at 90 degrees. Ça, c'est trop grand. C'est difficile de bouger. Puis ça, c'est tellement petit que je n'ai pas d'espace non plus pour utiliser le poids de mon corps. So, you need this way. You cannot use your body weight. This way, I can move like this. Okay? So, vous avez besoin de ça. Fait que, si on le fait, par exemple, sur Shomenichi, je peux entrer, venir saisir le gi, puis le projeter en Uki Otoshi. Uki Otoshi, ça veut dire que c'est un mouvement qui flotte. Fait que, it's like a floating movement. It's floating and go down like this. Fait que lui, il doit flotter, parce que je ne le fais pas flotter. Mais if he comes, you can move, just compact, then move sideways, puis utiliser le corps comme ça. So this is a possibility on Shomenichi. On Shomenichi, you can go up like that. You could go also sideways like this and use, now you're going to move that foot. Hein? Si j'entre comme ça, ensuite, je vais bouger mon pied puis je vais l'amener par là. Okay? So you're going to, just this side, I can, let me get it. I can move in, take space, then throw like that. Vous pourriez le faire aussi, toujours sur Shomenichi. Shomenichi, you can move like this and push him, get in front of him and throw him. Ça veut dire ça que vous faites vraiment le tour. At this point, you come closer. The other one. Ici, maintenant, je coupe, je vais pousser, j'avance, puis je vais projeter. Donc, je peux le faire dans plusieurs directions. The first one, I can go the direction, I can go
this way, straight where he's going. I can get him like 90 degrees. Je peux l'amener à 90 degrés. Ou the other one, I can, ici, je pourrais retourner puis l'amener comme ça aussi. Ou I could go here like Ikyo, then move in like 180 degrees. Okay. Je peux le faire sur Yokomenuchi, ça va être semblable. On Yokomenuchi, it's going to be similar, the first one. I could go also just open like that, grab and move. So at that point, he's going in this direction, but that's this time, you know, I can move like this or move the arms and pull it. Vous devez toujours amener le poids de son corps sur son pied avant. You need to bring the weight of his body weight on his front foot. Right? Si il est comme ça, puis je garde les deux talons au sol, c'est difficile. So try to bring his weight forward, then you can apply this one. Right? Vous pourriez ici entrer et reculer comme ça, comme on a fait avec les. Que ce soit sur Shomenuchi, Yokomenuchi, ça va se ressembler beaucoup. Sur Tsuki, you could go like this also. You could go like this one. Puis, Kiyotoshi. Fait que ça revient, que ça se rejoint ici. And you could move in and push forward like that. Fait que c'est, mais comme j'ai expliqué, l'important, les pieds, largeur des épaules, les genoux 90 degrés, puis utiliser le pied arrière bien placé pour vous donner un support. So you need these three things. Feet shoulder wide, 90 degrees with your knees and your back foot in line so you can have a support if you do it. Okay? Là, on peut aussi maintenant faire des Maki-Otoshi. Maki-Otoshi, sans tournant. C'est, moi, je m'en rappelle toujours avec les maki sushi là, qui sont ronds. So, that's the way I remember it. You know, maki otoshi is like a round, circular, like a maki sushi. So, they are round also. Fait, quand on le fait, il y a deux types de maki otoshi. On a soto maki otoshi et uchi maki otoshi. You have uchi and soto maki otoshi. Uchi goes under. And soto goes over. Okay? And then, des chiens qui parlent devant la rue. There's few dogs in the front, so the. En français, c'est plus facile à se rappeler. Soto, c'est comme si vous sautez en haut, fait que vous êtes par-dessus. That means you go above. Et puis, uchi, ben, vous pouvez passer que si vous rentrez là, ben, ça lui fait mal. Il n'est pas dit où, mais vous avez uchi. L'important, c'est de, quand je suis ici, j'entre et je dois avoir contact, mon dos avec son ventre. I need to get my back on his chest. Si vous avez la distance comme ça, ben moi je tourne, mais lui il va rester là. I can turn, but he will stay there. Fait que vous avez besoin du contact. Encore là, vous l'amenez sur le pied avant, you bring him on his front foot. Puis d'ici, vous allez tourner. Okay? Ça, c'est un qui est assez simple. Fait que le déplacement, je vais juste entrer. Quand je fais mon tenkan, when I do tenkan, I cross the line of this one. Puis là, vous tournez, vous allez avoir le pied à la largeur des épaules. You will end up with your feet shoulder wide. Okay? So you will end up with your feet shoulder wide. Again, when you do uki otoshi, knee 90 degrees, feet shoulder wide, you do uki otoshi. When you do maki otoshi, your feet shoulder wide, 90 degrees, so you can use your weight like this. Quand vous le faites, ce qui va donner de la puissance à votre mouvement, what will give you power is the how you use your, but of course you need to turn and get some speed, mais aussi vous allez descendre l'épaule. If you
bring your shoulder down, then you're going to add power to your motion because your partner is right there, you're throwing. Mais quand vous pratiquez, il faut faire attention que votre partenaire, s'il a une tête grosse de main, ben, il faut descendre et qu'il y ait de la place. Okay? So you need to leave some space for your partner's head when you do this. Right? Ça, c'est des makiotoshi sur Yokomenuchi, mais je pourrais aussi aller je pourrais aller le chercher comme ça aussi et l'amener sur l'autre bras. You could go on the other arm. So you move like in like this, and when you slide in, you push this one and you pull the other one. Et vous poussez ce bras-ci et vous tirez l'autre. Et en tournant, as you turn, vous allez glisser comme ça. Et là, vous prenez son guide. En tournant, vous descendez. Et là, vous le faites sur l'autre bras, vous tournez et vous descendez. So you do on the other arm. Quand vous prenez son coude ici, comme ça, pensez pas à tirer. Hein? Don't think about pulling your hand like this, but keep your hand tight, mais vous tirez le coude. You pull the elbow. So you're like this, pull the elbow. Don't think about that hand. Pull the elbow backward like this. Okay? Puis là, vous allez l'avoir bien collé sur vous, ça va être plus facile à faire quand on le fait sur les Yokomenuchi comme ça. Hein? Fait que c'est jambes, amener, tirer, pour descendre au sol. Hein? Fait que ça se fait sur cette entrée-là, comme on le fait. On peut faire la même chose sur ski. Et je l'amène comme ça ici, et là, je prends l'autre bras pour tourner. So you can go like on ski or shomenuchi like this. You make him turn, you get the other hand, then you just throw him. Shomenuchi, ça c'est pareil. Ici, I'll see if he hit you. Ça peut se faire aussi. You can do sometimes when you grab katatori, right? Ici. Puis là, il vous frappe, then he hit your face with the other hand. Vous pouvez ici bloquer et enchaîner. Right? You have same side, sorry. So I go like this, you hit, I block, step, and pivot. Right? C'est toujours le tourner puis descendre en vrille. So you just turn like une vrille, ça c'est, je ne me rappelle pas. Là. You know, like you just tornado. Tornado. So, like, vous pouvez le faire comme ça. On l'a fait tantôt, je pense, c'est sur Makiyotoshi, sur Katatetori. Entrez, puis quand vous arrivez ici, même chose, vous tournez les hanches. Si vous le faites sur ça, c'est important de bien utiliser votre corps. Donc, if you go this way, use your body. Je ne peux pas juste entrer ici puis m'en aller comme ça, parce que là, je descends. Parce que là, je n'utilise pas mes hanches. That way, I don't use my hips. So, I need to turn, then turn back. Donc, mes hanches doivent tourner puis revenir. Si je fais seulement entrer, if I just go straight like this, then I drop, there's no spiral, c'est ça que je cherchais, the spiral, c'est tornado. Fait que la vrille, là, dans le fond, c'est juste une spirale. Fait que j'ai besoin, moi, d'entrer ici, tourner, puis de retourner dans ce mouvement-là. Il peut se faire sur Riepetori aussi. If you go like Riepetori, ben vous pouvez le faire là. Mais si vous le faites, vous ne pouvez pas vraiment lâcher l'autre bras. You cannot really let go the top hand, parce que la minute que je le lâche, il va revenir comme ça ici. So you need to keep it until the end. Like pour le hooker, c'est plus difficile. For you hooker, both hands like this is quite difficult for the hooker, especially on what you want to try. No? Okay, it's your fault. ça c'était hooker Otoshi, Maki Otoshi. Là,
On va arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 25. Puis, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Parce que là, on a fait le 5e, 4e, 3e, 2e Q. Là, on a eu des idées pour le Shonan puis le premier Q. Si vous avez des questions, dites-les. S'il n'y a pas de questions, ben, moi, on peut revoir d'autres mouvements, mais j'ai toujours mon bouquet. Fait que si on peut continuer dans les Otoshi puis voir une série d'Otoshi, mais j'aimerais ça avoir des gens qui me disent qu'est-ce qu'ils veulent, parce que autrement, ben, si vous ne voulez rien, on n'aura rien. C'est « If you don't need anything, then maybe we will stop that class. » So, I'm waiting for your comments if you need something or, you know, c'est qu'est-ce que vous voudriez avoir. D'accord? Et bon, merci beaucoup. Merci.